Et il n'y avait que cette maison-là où il y avait encore des gens. Ils sont partis six mois, un an après. Et ils étaient extrêmement gentils, ils ramenaient des gâteaux quelquefois. Hein. Oui, oui, c'était sympa. Voilà. Donc de 8 caravanes, on est passé à 14 caravanes. 18, bon, voilà. Bon, on a fait tout un travail avec la communauté urbaine. On a eu donc un branchement d'eau et puis l'électricité. Donc ça, c'était bien parce que ça change tout. Voilà, quand on a l'électricité, bah déjà, on a chaud. Oui. Déjà, on a de la lumière. Oui. Et puis, il y a peut-être moins d'humidité dans les caravanes, quoique. Non, bien. Alors, qu'est-ce qui nous ouvre les portes de sa caravane ? Comment ça se passe la journée quand on est une maman de cigane ? Quand je vais à l'école, je conduis à l'école, je reste avec les petits, je prépare à manger. Jusqu'à 11h, quand je viens de l'école, je donne à manger, après je conduis à l'école. Voilà, on a plutôt intérêt à lâcher l'affaire en disant, bon, allez, allez, l'école, tant pis, c'est compliqué, tout est compliqué ici. Donc ici, vous avez quand même 6 personnes qui vivent, donc 4 petits. Tu as quel âge d'abord, Mariana, toi ? 27 ans. 27 ans. Et Christy ? La même chose. 27 ans. Il est mécanicien. Oui. Voilà. Donc il a trouvé un petit peu avant du travail, voilà. Et maintenant, il va faire partie du plan d'intégration, donc il va aller travailler dans un garage. Oui, c'est bien. C'est ça, bien ça. Parce que c'est normal pour les enfants pour travailler. Est-ce que tu as envie d'avoir un appartement ? Est-ce que t'es contente si tu as un appartement ? Pourquoi ? Parce que je restais avec les enfants bien. Il est pas dans, c'est pas comme sur la caravane. C'est difficile la caravane. Donc là, ça risque d'être un grand rêve qui va se réaliser quand même. Ça fait longtemps que tu voudrais ça. Hein? Ouais. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que Christy va aller travailler. Donc c'est lui qui va gagner l'argent de la famille. C'est lui. Oui. C'est lui la famille, c'est pas moi. Moi, je reste avec les enfants. Quelqu'un va faire moi avec les enfants ou travailler. C'est lui. Il est comme les Français. Ouais, tu crois? Ouais. Donc toi, tu as envie d'être comme les Français? Ouais. Sephora, tu peux rentrer, tu peux l'aider si tu veux. Vas-y. La vie en Roumanie, aujourd'hui, à Barboulești, c'est comment ? Aujourd'hui, c'est... Il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont pas bien. Un peu pauvre et les autres bien. En Roumanie, il y a du travail pour vous ? Non. Donc comment on fait pour manger ? Tu sais comment on fait, Sylvie? On achète des habits. Oui. Et on va dans d'autres villes pour vendre des habits. D'accord. Et comme ça, tu as un peu d'argent? Oui, oui. Pas beaucoup. Oui. Juste pour manger. Oui. Alors, la location, elle est de combien en Roumanie? C'est 10 euros. 10 euros par mois? Oui. 10 euros par enfant. Enfant. On loue à location. Moi, j'ai 4 enfants. T'as 40 euros pour tout le mois? Oui. Et donc, t'es arrivée, t'avais quel âge ? Quand j'étais ici ? Non, à Montpellier. À Montpellier. J'avais 13 ans. Voilà, tu avais 13 ans et donc tout de suite, t'es partie à l'école. Oui. Alors, c'est difficile d'aller à l'école quand on a 13 ans et qu'on est adolescent, non ? J'ai appris vite. Oui. Parce qu'il y avait beaucoup de professeurs bien. Qui t'ont aidé ? Qui parlaient. Oui, qui m'a aidé. Voilà, et tu travaillais bien à l'école. Il a venu Titi. Ah, elle est là, Titi. Et alors, un jour, on t'a dit, tu vas partir. Eh oui. Oui, mais quand on est tzigane et qu'on est fille, on sait qu'à 13 ans, on va s'en aller, non ? Oui, ouais. Mais moi, je ne savais pas que je pars. Je dis plus tard. Mais... Et puis, tu arrives dans un autre clan. Eh oui. Dans une autre famille. C'est difficile quand on a 13 ans quand même, ça. Ben oui. Alors, elle est où ta petite fille ? Elle est en Roumanie. Elle s'appelle comment ? Sarah.
Ah, et elle a quel âge? 1 an et 3 mois. Voilà. Et donc, pourquoi elle est en Roumanie? Parce que je ne pouvais pas venir ici avec elle. Pourquoi? Parce que moi, je ne reste pas à la maison, je dois aller faire la manche pour gagner d'argent, pour envoyer pour elle, pour manger. Et si je l'amenais ici, je ne peux pas aller avec elle faire la manche. Oui, mais Mariana, elle peut la garder. Ben elle aussi, elle a beaucoup d'enfants. Tout le monde ne veut pas garder. Mais s'il veut garder, il faut qu'on donne quelque chose. Si. Ah, vous... d'accord. Mais Sephora, tu connais le mot sacrifice? Oui. C'est un gros sacrifice quand même de ne pas être avec son bébé. Oui. Donc la grande joie aussi de Sephora, c'est qu'elle fait partie de la liste, la fameuse liste. Et donc son mari aura du travail, il va aller dans la fin, il va faire... Si Christopher il a un travail et nous on a un appartement, je le ramène. Tout de suite? Oui. La Sarah, moi je veux faire sa connaissance. Rasbakchi, Sylvie, le MRAP et Popinda et DRH qui a pris en charge les rentes. On a récupéré des caravanes à peu près en bon état à Emmaüs. Et on a ramené ça en fin de journée de façon à ne pas tomber sur la police, sur personne, quoi, parce que. Au niveau réglementation, on était vraiment léger et on voulait récupérer ce terrain qui appartenait à la ville de Saint-Paul. On a noté sur les caravanes Emmaüs, oui. Parce qu'à partir du moment où ça appartient à quelqu'un, ils n'ont pas le droit de les détruire. Mais quand c'est appartient à une association, on n'a pas le droit de les détruire. On n'a pas le droit de les détruire. C'est pour ça qu'on a marqué Emmaüs. Donc, elles sont toutes marquées Emmaüs. Voilà. Voilà la maman. Vous êtes la maman de Miguel. Rentrez, rentrez. Et alors, garde-le tous les petits bébés. Sur les bébés. On fait un bisou. Et toi, coucou. En Roumanie, on est. Les tziganes sont des gens très gays et ils aiment les couleurs flash et très gays. Donc ils ont mis du rose et du vert. Voilà, ils aiment beaucoup les tentures au mur. Et le principe, en fait, c'est que là-bas, on n'a pas de chambre. Donc, on a le lit qui va servir de fauteuil aussi. Donc, on range bien tous les coussins régulièrement, voilà. Et on fait une jolie pièce pour que tout le monde puisse profiter. Vous avez combien d'enfants, là, ici? Trois. Trois. Donc, il y a votre épouse, elle est? Il travaille. D'accord. Il est en ville. En ville. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la manche. Je fais la manche, oui. Oui.
Comment ça se passe pour elle? Ça se passe pas très bien, mais c'est la vie. Fait qu'on vit, on n'a pas le choix. C'est pas qu'on aime bien faire la manche, mais il faut qu'on vit. C'est pas un choix de faire la manche. On choisit pas de faire la manche. On sait pas ce qu'on est obligé. C'est pas le choix, c'est obligé de faire la manche. Voilà. Parce que c'est pour vivre avec les enfants. Mm-hmm. On n'a pas les moyens. Et les gens que vous rencontrez quand vous faites la manche, comment ils se comportent vis-à-vis de vous? Il y a des gens qui se comprennent bien. Il y a des gens qui se comportent mal. Il y a des gens... C'est pas tout comme ça. C'est... Et maintenant, ça fait un moment qu'on fait la manche. C'est dur. Oui, il n'y a pas beaucoup de gens gentils. Il n'y a pas beaucoup. Ça, c'est vrai. Mais il y a des gens qui sont gentils, qui donnent un petit peu. Pas beaucoup, mais. On dirait comme ça, en vérité, 10, 15 des fois, on fait. Oui. C'est pas. Ça, c'est normal, les gens ils ont peur parce qu'on n'est pas, on n'est pas français. On n'est pas habillé des vêtements bien. C'est pour ça que les gens ils ont plus peur. Parce que toujours ils ont dit, comme c'est dit à la télé, que les Romains, mais ça c'est pas vrai. Il y a des jours qu'on ne mange pas, il y a des jours qu'on mange. Et c'est très dur. Comment se fait-il que vous. Il n'y a pas de travail pour vous en Roumanie? Pas du tout. Non, mais si on travaille là-bas chez nous, ils ne t'embauchent pas comme ça, parce qu'il y a des Roumains et il y a des Tziganes. Oui. Et c'est pareil comme en France. Ouais. Et donc il y a du travail pour les Roumains et pas pour vous, ou alors c'est pour tout le monde pareil? C'est pour tout le monde, mais il y a des patrons qui ne bougent pas comme ça. Ils ne veulent pas embaucher les Tziganes, oui. En fait. Oui, non. Voilà. Et pourquoi il y a 10 ans, il y avait moins de Roms, moins de Tziganes en France que maintenant? Les conditions sont devenues plus difficiles pour vous en Roumanie? Ils sont devenues plus difficiles parce que maintenant, les patrons, ils ont des machines qu'ils travaillent tout seuls. Donc ils ont besoin beaucoup moins de main-d'œuvre en fait. Et puis, oui. C'est ça le souci. Oui. Sylvie m'a parlé d'une période où il y a eu de grosses inondations dans votre pays. C'était une catastrophe trop grande. C'était une inondation de 4 ou 5 mètres. Mais tous les villages, ils ont été capturés, inondés de l'eau, tout, de 3 ou 4 mètres. Et des maisons, ils ont tombé. Moi, ma vie, c'était une vie de misère parce que j'ai vu une vie de. Je ne veux pas souvenir. Et mes enfants, je veux qu'ils vivent une vie normale. Pour être à l'école, pour prendre de lire, pour prendre parler français. Il parle un petit peu français, mais s'il va à l'école, il va prendre. De... Comment tu appelles? Pour la peinture. Tu vas prendre la peinture, oui. C'est bien. C'est bien. Bon, avec tranquille, les radicaux, nous avons.
Marianne. Avec Marianne. Ma cousin, et... oui. Ah bah c'est bien. Ok. Donc oui. Si on veut s'installer en France, d'accord, on prend les coutumes de la France. Moi je. Ça veut dire que si ma copine elle veut aller ce midi. Oh, voilà. Le. Lui il a rien à dire. C'est toi qui décides. Ça c'est le. Non mais comme tu sais là ça que faire moi t'es qu'à se. Elle a sorti la fusilla, la orchestre, c'est disponible. Elle a dit que je ne peux pas refuser. Donc là, Samuel, c'est un grand jour pour toi demain. Pourquoi? Pour le travail. Voilà, parce que demain, tu vas aller visiter son travail. Voilà, l'endroit où tu vas aller travailler tous les matins pour gagner des petits sous pour nourrir ton Arthur et ta Samara. Voilà. Donc, Samuel, t'as quel âge? Moi, 18. Et Samara? 15. Et Arthur? 5 mois. 5 mois. Voilà. Mon fils Arthur. Oui. Et ma soeur Mona Lisa. Alors, Arthur, il a quel âge? 5 mois. D'accord. Et ma femme. D'accord. Et tu as quel âge, Samara? 15 ans. Tu as 15 ans? Oui. Et tu es déjà marié? Oui. Oui? 2011. On est arrivé ici, à la Dunkerque. Est-ce que tu travailles ici? Je veux travailler. Maintenant, on n'a pas de papier de France. D'accord. Ok. Non, vous êtes arrivé par hasard sur Dunkerque? Oui, parce que la Roumanie n'a pas d'argent pour acheter de manger. Oui. N'a pas de travail. Mais pourquoi Dunkerque? Pourquoi avoir choisi Dunkerque? Parce que c'est ici encore des Roumains. Et comment vous avez été accueillis? On a parti là à Emmaüs. Ouais. L'Emmaüs, il a fait la place. C'est ouais. Très gentil là, Emmaüs, pour nous. Voilà. D'accord. Il a donné de manger, de tout. Ouais, ouais. De caravane, de lumière, tout. Merci beaucoup pour l'Emmaüs. Voilà. Bonjour Arthur. Elle a son bébé Arthur qui est derrière vous avec son Samuel. Le souci c'est que pour le programme d'intégration en France, comme on appelle ça, en France, tout mineur isolé doit être protégé. Donc doit donc être mis en foyer avec son bébé. Et là, c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Donc j'ai posé la question et on m'a dit qu'elle suivrait la famille dans laquelle elle était accueillie et donc elle pourra rester avec sa gentille Claudia. Voilà, elle est grand-mère d'Arthur. Voilà. À quel âge? T'as quel âge? 35. 35 ans. C'est bien. 35 ans. Les traditions tziganes sont difficiles parce que sa fille, elle est partie quand elle était très jeune. Et là, c'est bien promis, hein, Claudia, de laisser Raïla à l'école et jusqu'à ce qu'elle ait un métier. Et puis après, le mariage, on verra après. Hein. Pas marié. Voilà. Ça les libère un peu, en habitant en France, je pense, ça les libère un peu de cette... cette culture, cette oppression, voilà. Non, il y aura un grand virage qui va se prendre ces mois-ci parce que les papas vont aller travailler, il y aura de l'argent qui va rentrer, donc elles auront, je pense que ça va changer beaucoup de choses dans leur tête et il faudra que nous, Européens, on soit à leur côté pour expliquer, pour dédramatiser, pour libérer la conscience aussi, parce que je pense que elle est regardée bizarre si sa fille n'est pas mariée à 15 ans, quoi. Ils se comportent comment, les gens, quand fait la manche? S'il vous plaît, de la pièce pour manger. Mais les gens qui donnent, quelle réaction ils ont? Ils sont gentils, ils sont agressifs, ils sont... Et l'autre, ils sont gentils, il faut employer des mots. Pas tout le genre. Ils sont différents, deux personnes. Ils sont différents. Il y a des gens qui disent quoi? Des gens qui demandent de partir d'ici, dégage à travailler, arrête toujours. Et l'autre, c'est gentil, tiens, lui dit merci, c'est tout.
Chérie.